Élise Lucet est une journaliste de terrain. Dans un numéro inédit de Cache Investigation, diffusé ce jeudi 25 janvier sur France 2, la journaliste s'intéresse aux maladies professionnelles. Lorsqu'elle n'est pas sur les plateaux de télévision, elle troque son costume de présentatrice pour celui de mère. Il y a 16 ans, Élise Lucet a donné naissance à son unique fille Rose, née de son histoire d'amour avec l'antiquaire Martin Bourgeois, emporté par la maladie en 2011. Une maternité que la productrice a découverte sur le tard, soit à l'âge de 43 ans, pour une raison bien précise. Je n'avais pas encore trouvé le papa, confiait-elle lors d'une interview accordée à nos confrères de Magic Maman en 2008. Pour Élise Lucet, il était hors de question de faire un enfant toute seule. Je voulais construire une famille, avec une maman et un papa. Et je l'ai rencontré à 40 ans. Confiait-elle avec une certaine tendresse. En faisant la rencontre de Martin Bourgeois, Élise Lucet a vu en lui le père de son futur enfant. Nous travaillions dans des mondes très différents. Lui, antiquaire, est dans le passé, moi dans l'avenir. Si est-il un bon équilibre, concluait-elle. Rien n'arrive par hasard. Supérieur à supérieur à Léa Salamé, Pascal Pro, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Élise Lucet, une maman présente pour Rose, journaliste mais maman avant tout. Bien qu'elle soit très prise par les préparatifs de ses diverses émissions, Élise Lucet met un point d'honneur à passer le plus de temps possible avec sa fille Rose. Si elle n'évoque que très rarement sa vie privée, la journaliste de 60 ans a accepté de se confier sur son quotidien avec De Rose auprès du magazine Elle. Ma fille est et restera toujours ma priorité, assurait-elle avec une certaine tendresse. Avant de poursuivre, mes collaborateurs savent que, hors tournage à l'étranger, je dois être à la maison à 19h30 et s'arrange pour caler mes rendez-vous en fonction de ce que nous appelons la jurisprudence rose. Grâce à cette organisation millimétrée, Élise Lucet peut ainsi aisément jongler entre sa carrière professionnelle et sa vie de famille. Une vie à 200 à l'heure qui a suscité la curiosité de nos confrères. Ces derniers lui ont alors demandé comment elle faisait pour allier avec brio son travail et l'éducation de sa fille. Pour Élise Lucet, son secret repose sur l'enfance merveilleuse qu'elle a eue avec ses parents et sa sœur à la campagne. Ça m'a forgé une combativité et une joie de vivre à jamais, révélait-elle. Des moments de partage qu'elle souhaite perpétuer avec sa fille et ses proches. J'arrive très bien à compartimenter les choses quand je suis à la maison, je ne pense plus au boulot, je cuisine pour mes amis, je rigole beaucoup, ma vie n'est ni triste ni solitaire. Concluait-elle. Crédit photo, Nathalie Guyon FTV. Just